la population kadine, au niveau de la commune de Tanger, ou plutôt au niveau de toute la province de Tanger. Donc il se base d'abord sur une stratégie nationale. C'est une stratégie nationale de la gestion de la population canine et de la lutte et prévention contre les zoonoses, ce qu'on appelle les maladies transmises par les animaux. La vision globale, elle est basée sur une approche scientifique, d'où la participation de plusieurs de nos partenaires et l'établissement de plusieurs conventions entre nos partenaires. La convention 4 entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé publique, la Santé et Protection sociale, l'ANSA, donc, et aussi l'Ordre national des médecins vétérinaires. Et donc ces stratégies nous permettent ainsi d'installer ce qu'on appelle la TNR. La TNR, c'est une approche plutôt humaine sur la gestion de la population canine. On permet de capturer le chien, de le vacciner, de le déparasiter et de le relâcher. Donc en même temps de le stériliser. Le stériliser, c'est une façon de limiter la reproduction canine. Donc, comme je vous dis, c'est une approche qui doit se baser sur une approche plutôt humaine, mais il fallait une infrastructure, d'où la construction de plusieurs refuges. Donc au niveau de Tanger, on a ce qu'on appelle un refuge pour animaux, refuge moderne, ce qu'on appelle l'architecte va vous parler, le bureau d'études va vous parler de détails de ce projet. Donc avec des blocs opératoires, de ce qu'on appelle des services d'adoption d'animaux, avec un système de digitalisation pour la gestion de ce refuge, et en même temps des capsules pour la sensibilisation, l'information de la population. Donc voilà, c'est une approche avec la concertation de l'Ordre des médecins vétérinaires, donc plusieurs projets. Et en même temps, il y a tout un arsenal juridique, comme la loi 56-12, qui nous permet de la protection des personnes contre les chiens, donc l'application de certains actifs, l'interdiction de certaines races dangereuses. Donc voilà, c'est un projet plutôt global, basé sur des expertises internationales. En même temps, c'est un projet innovant, marocain, avec une approche qui est plutôt marocaine. Et comme je vous ai dit, donc, il y a la construction d'infrastructures, il y a l'établissement de certaines conventions, il y a en même temps la généralisation, plutôt la couverture de tout le territoire marocain par ce qu'on appelle des centres antirabiques. Donc avec l'établissement d'une convention avec le ministère de la Santé publique, donc des centres antirabiques au niveau des centres de santé niveau 2. Ah donc, et en même temps, la dotation, une convention qui permet au ministère de la Santé l'achat de à peu près de 40 millions de dirhams de vaccins antirabiques. Donc c'est un budget qui est financé. Donc c'est un financement par le ministère de l'Intérieur suite à une convention avec le ministère de la Santé. Donc en même temps, un projet innovant actuellement, un projet de recherche avec une convention entre le ministère de l'Intérieur, le DGCT DSP, l'Institut Hassan II, l'Institut agronomique Hassan II de Rabat, et en même temps l'Association marocaine des médecins d'hygiène et salubrité publique pour l'installation de ce qu'on appelle la PAVaccino. Donc c'est une approche moderne, c'est une approche innovante qui va nous permettre d'éradiquer certaines maladies, surtout la rage humaine. Donc voilà, grosso modo, il y a plusieurs projets en même temps. Il y a un autre projet, plus de 70, ce qu'on appelle les bureaux intercommunaux, qui un budget colossal qui permet la couverture de tous les territoires marocains par des bureaux d'hygiène qui auront des morgues, des centres antirabiques et en même temps des refuges. Donc c'est un projet innovant qui est en cours d'installation. Il y a déjà plusieurs projets, je crois, à plus de 50% de réalisation. Donc voilà, l'ensemble de cette stratégie, c'est une stratégie marocaine, c'est une nouvelle approche basée sur des conventions, des partenariats avec plusieurs partenaires, tous les partenaires s'approchant de loin ou de près la prévention sanitaire. Donc et une approche plutôt scientifique basée sur des expertises. Des expertises, que ce soit au niveau marocain ou que ce soit international. Et en même temps, l'établissement d'un plan d'action plutôt marocain.
Nous sommes dans le site de construction du projet du refuge d'animaux de la ville de Tanger. Projet situé non pas très loin de la fac de médecine et du CHU de Tanger, donc à une quinzaine de kilomètres de la ville. Le terrain alloué pour ce projet est d'environ 2 hectares. Ce projet vise principalement évidemment à vacciner les animaux de la ville et de pouvoir sécuriser donc les habitants de la ville de Tanger. Ce projet donc s'implante dans un site qui est très accidenté. Nous avons environ 20 mètres de dénivelé entre les projets. Donc nous avons essayé d'implanter le projet de façon optimale, de manière à avoir un projet fonctionnel. Ainsi, on a mis tous les espaces pour les animaux en contrebas, dans la première plateforme en bas, au niveau de la voie, où est-ce qu'ils auront tout un terrain en face pour pouvoir exploiter des espaces verts. Donc nous avons un espace pour les chiens et chats, un espace pour les ruminants. Et la partie supérieure où nous sommes, c'est l'espace des blocs opératoires, de la service d'adoption, l'administration et des centres de soins. Donc c'est un projet dont le maître d'ouvrage est l'Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord, ainsi que la Wilaya et la commune de Tanger. Le budget alloué est de 12 millions de dirhams pour ce projet. C'est un projet qui vise donc à être dans les normes au niveau hygiène et sécuritaire. Donc nous avons ainsi prévu tous les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des vétérinaires et des médecins pour pouvoir sécuriser et vacciner les animaux. Donc vu la topographie accidentée du site, il était préférable de travailler le projet en deux parties principales. La zone inférieure a été consacrée aux enclos des animaux et la partie supérieure au bloc des soins et opérations. Le bloc soins est d'une superficie de 530 mètres carrés, composé d'une salle de chirurgie, une salle d'examen, des salles de stérilisation et des salles de lavage. Pour les enclos des animaux, il s'agit de deux blocs de 600 mètres chacun. Et donc, le premier est constitué d'un chenil d'une capacité d'accueil de 128 chiens et d'une chatière de capacité de 84 chats. Ces deux enclos intègrent des espaces de quarantaine. Et le deuxième bloc, qui est de 600 mètres également, est consacré aux ruminants, les plus grands animaux, d'une capacité d'accueil de 26 animaux minimum. Ce bloc nécessitait son propre bloc opératoire. Et finalement, on a intégré des espaces verts et des cours au niveau de chaque enclos des ruminants. Et aussi, on a intégré une place pour les visiteurs au niveau de la terrasse des enclos des ruminants. Donc, en tant qu'ingénieur étudiant suivi, ma priorité est d'assurer que chaque phase du projet respecte les normes de sécurité et de qualité et les réglementations en vigueur. Donc, pour notre projet, il était divisé en deux types de bâtiments. Les bâtiments en béton armé pour le bloc opération en soins et l'administration et le bloc des ruminants. Et une chaproupe métallique pour le bloc des chenils et chatières. Les grosses œuvres avec un avancement de 80% et la chaproupe métallique sera livrée à la fin du mois août. Le projet, avec un délai contractuel de 8 mois, et sera livré de sa globalité à la fin du mois septembre, au maximum le début de octobre. Pour les lots techniques et les aménagements extérieurs, ils sont déjà commencés au niveau des blocs soins et opérations et des blocs administration. Et il restera juste les travaux de finition.